Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé ce mardi 14 novembre 2023 devant l'une des chambres du Parlement réunie en congrès son dernier discours du quinquennat sur l'état de la nation. L'économie de ses discours avec Gisèle Etoko. Plus de deux heures durant, les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face aux députés et sénateurs réunis en congrès, a prononcé son dernier discours du quinquennat sous l'état de la nation. Aucun secteur n'a été épargné par le président de la République. Tout d'abord, une minute de silence a été observée en mémoire de tous ceux qui sont morts pour la défense de l'intégrité territoriale. Le président de la République a, dans son speech, relevé pour ce qui est du secteur de la défense les innovations avec la loi sur la programmation militaire 2022-2025 et la loi sur la réserve militaire en RDC. S'agissant du retrait de la MONUSCO, le chef de l'État a indiqué qu'il est temps que la RDC prenne son destin en main et devienne le principal acteur de sa propre sécurité. Le président de la République démarque que rien ne peut se décider sur le Congo sans les Congos. S'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de deux décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. Ainsi, l'engagement de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 doit être mis en œuvre. Dans le secteur judiciaire, 11 nouvelles prisons seront érigées en RDC, notamment dans les anciennes provinces, a-t-il dit, avant de faire part de sa signature d'une trentaine d'ordonnances d'organisation judiciaire afin d'insuffler une nouvelle énergie et de la gouvernance de la justice suivant son engagement de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les rémunérations des magistrats seront doublées dès le prochain exercice budgétaire. L'économie se porte bien, a dit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laissez-moi vous rassurer que notre économie en 2023 se porte bien. Nous avons parcouru un chemin remarquable depuis 2020, surmontant les défis posés par la pandémie pour réaliser des taux de croissance économique qui nous inspirent confiance en l'avenir. Notre taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2%, chiffre estimé pour cette année, une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. En éducation. Le président de la République a relevé le fait que le salaire d'un enseignant est passé de 159 662 francs à 408 689 francs congolais. La mise en place de la gratuité de l'enseignement est incontestable, un grand succès, dit-il. Le président de la République a brossé un bilan pour le moins positif de la liberté de la presse sous son mandat. La situation de la presse se porte de loin mieux qu'avant, a dit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux députés nationaux, le chef de l'État a indiqué, je cite, « Vous pouvez vous estimer fier d'avoir servi la nation ». C'est par ces mots que Félix Tshisekedi a conclu son discours. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main. En avançant main dans la main, avec une vision claire et un but commun, vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. Violence meurtrière à caractère ethnique dans la province du Haut-Lomami. Le chef de l'État a lors de son discours sur l'état de la nation ordonné aux autorités de cette province de prendre mesures avec une extrême urgence pour rétablir la paix à Malembankoulou. Suivez. Toujours dans le volet sécuritaire,
La province du Maïndombé connaît depuis le mois d'août 2022, dans le territoire de Kwamout précisément, une insécurité née de divergences basées sur les redevances foncières et qui s'est progressivement muée en conflits intercommunautaires, conflits qui a aujourd'hui tendance à s'étendre malheureusement à d'autres entités de l'espace du Grand Bandundu. La province de la Tchopo a enregistré elle aussi des cas de tuerie intercommunautaire dont les raisons sont à première vue similaires à celles rencontrées dans le Maïndombé. Comme pour le Maïndombé et la Tchopo, il s'observe depuis 5 jours dans le Haut-Lomami, plus précisément dans le territoire de Malembankoulou, une escalade de violence déplorable et très inquiétante, pouvant potentiellement déboucher sur l'éclosion d'un conflit du même type que celui que j'ai déjà précédemment cité. J'en appelle au pouvoir public de mettre tout en œuvre pour favoriser, avec l'urgence la plus absolue, un retour au calme. Toujours dans le même chapitre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait part dans son discours sur l'état de la nation des réformes entreprises dans les secteurs de la défense nationale. Suivez. Il convient de signaler l'adoption par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de défense de l'ordonnance loi numéro 22/019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 2022-2025 et la loi numéro 23/014 du 22 mai 2023 qui institue la réserve armée de la défense. Cette grande réforme qui manquait à notre pays depuis des décennies est destinée à structurer, mieux à systématiser et stabiliser la capacité de riposte et de dissuasion de nos forces de défense sur le moyen et le long terme. Elle poursuit également l'ambition d'accélérer l'augmentation des capacités dissuasives de notre appareil de défense. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Il s'agit entre autres de l'indexation du barème de rémunération des militaires sur un salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, constamment adapté au coût réel de la vie, de la finalisation du projet portant mise en place d'une assurance maladie, d'une assurance invalidité permanente, ainsi que d'une assurance obsèque, du lancement du programme de construction des casernements militaires, de la poursuite des audits et contrôles des ressources humaines, financières et logistiques dans toutes les structures de défense pour une gestion efficiente et efficace. Et pour clore ces chapitres, les réactions de députés et sénateurs ne se sont pas fait attendre après ces discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Eddy Kabeya et Bob Zamba ont tendu les micros à quelques parlementaires. Bon. Le discours est très intéressant parce que le président a essayé de faire une traçabilité de sa politique, de ce qui s'est fait et de ce qui sera fait. Il a essayé d'aborder de plusieurs points sur le plan économique, il a parlé de la croissance, sur le plan des infrastructures, il a parlé de ce qui s'est fait et surtout c'est les projets de 145 territoires. Donc il a essayé d'éclaircir la lanterne de nous qui sommes progressistes pour savoir ce qu'il a fait et comment ça a été sa politique. Il a aussi parlé de l'avenir, de quoi est-ce que nous pouvons nous attendre lorsqu'il sera élu pour son second mandat. Merci, chers amis. Je crois qu'il nous appartient de faire notre ce discours, puisqu'il a été clair. Le père fondateur de cette nation, qui est la RDC, ils ont bien voulu voir un jour que le Congo s'élève.
Et les moments tant attendus, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il nous appartient d'écrire l'histoire. Si nous voulons un éternel recommencement, ça nous. C'est ce que le chef d'État venait de dire aussi. Vous savez ce qui est impressionnant? Il nous a entretenus, nous dirons, plus de 2 heures, sans relâche. C'était un discours académique où il y avait de la matière pour tout le monde. Donc, quand je dis pour tout le monde, et pour les législateurs que nous sommes, et pour la population et autres souches de la population congolaise. Intéressant, puisque c'est un discours historique qui donne le bilan du chef de l'État, un bilan largement positif, un bilan qui fait la fierté du pays et qui montre que nous avons un élan qui est poursuivi et qui nous amène à une autonomie totale de la RDC, vidant ainsi tous les pesanteurs du néocolonialisme. C'est un programme qu'il a fait depuis l'an 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et il nous a même demandé, il a donné un choix. Il a dit, si vous trouvez que non, vous voulez laisser ce que vous avez, c'est à vous. Si vous voulez recommencer encore à zéro, vous devez aussi recommencer. Mais nous, en tant que le peuple congolais, le vrai Congolais, le sang du Congo, nous ne pouvons pas encore retourner à zéro. Nous allons continuer avec ce que le président... Rendons-nous à présent dans le Haut-Katanga, au centre d'instruction de Moura à Likiasi, où les chefs d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Tshiwewe, a participé à l'exercice de fin de formation organisé sur place. Suivez. Est-ce que vous êtes prêts à ce la nation? Vous êtes prêts à ce que vous êtes prêts à... Très bien. Le général d'armée Tshiwewe Songuesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a effectué ce lundi 13 novembre 2023 une visite de travail au centre d'instruction de Moura Likiasi dans la province du Haut-Katanga. Cette mission entrait dans le cadre de l'évaluation de la formation de plus de 7000 militaires recrutés suite à l'appel à mobilisation générale et du président de la République et commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi. À cette occasion, il a participé à la manœuvre militaire marquant la fin de la formation. Action. Debout, progressez. Est-ce après les briefings des colonels Ikomo Bienvenu et Zanza Desema, commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'instruction de Moura? Le général Tshiwewe s'est ensuite adressé aux militaires en fin de formation. Dans sa causerie orale, il a prêché la discipline, le patriotisme, la politisme et la loyauté. Nazalaki, Nakoma, Mokonzi, Ambo, Kabi, Nangai, général, après Kuna, on est Moura, parce que Nayoki Keba, outre Siri sa formation à Bango, Yango, Aouti, quoi assister. Ma manœuvre, la sepeli parce que et le kiki top, konzi a pesi bino non son mbote. Discipline, oh, vous avez la kisa awa, et ce que la awa te, même bisika boko kine, bon la kisa yango, na bande kondiso, to protéger bango, mais dev monguna, et se geni olia libre. Est-ce que to yokani? Ko trahir mboka ya ba koko na yoke. Est-ce que vous êtes prêts à koke na front? Il faut être déterminé. Cette année, le chef d'état-major général visite Moura pour la 4e fois. Éco-parti politique à présent, retour sur cette descente de Daniel Ieli, président de la fondation Ieli Molangi, antenne de Lukunga à ma campagne dans la commune de Ngalima. Dimanche dernier, Daniel Ieli est allé à la rencontre de la jeunesse de Lukunga. Au menu, le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le reportage est des fils tongalais, Georges Libengue. Tel fils, tel père, dit-on, Daniel Ieli, président de la fondation Edi Ieli Molangi, antenne de Lukunga, l'a démontré le dimanche 12 novembre à l'espace Marlise à ma campagne de la commune d'Ingaliema. La rencontre entre lui et la jeunesse de Lukunga s'est vite transformée à une véritable démonstration de force. La bonne marche de la fondation Edi Ieli Molangi en cette période préélectorale doit être démise.
Daniel Ieli, face à ces différentes bases de Lukunga, la question était d'arrêter quelques stratégies bénéfiques pour la bonne marche de la fondation Eddy Ieli Moulangi lors des élections de décembre prochain. Également cadre au sein du mouvement de libération du Congo, Fédération de Lukunga, Daniel Ieli a appelé ses différentes bases à favoriser les intérêts du parti cher à Jean-Pierre Bemba, et c'est là, de la base au sommet. Au quartier Bibois, dans la commune de Lantélé, Régis Kassouama, président de la fondation qui porte son nom et cadre du mouvement de libération du Congo MLC, a communié avec sa base. Les processus électoraux en cours et les choix à opérer lors du scrutin de décembre 2023 étaient au centre de leurs entretiens. Il a offert à la population des lampes pour l'éclairage public afin de faire face à l'insécurité. Le reportage est des Averiennes Améa et Dadi Kousaka. Le quartier Bibois, dont la commune de Lantélé, a vibré à la descente de Régis Kassouama, cadre du mouvement de libération du Congo. Le président de la fondation qui porte son nom, Régis Kassouama, a sillonné les rues des Bibois en compagnie d'une foule immense au rythme de la fanfare. Question de sensibiliser sa base sur les enjeux des élections qui pointent à l'horizon en vue d'opérer un choix utile. C'était une occasion pour Régis Kassouama et sa base de la commune de Lantélé d'échanger sur le mot qui ronge ce coin de la capitale, notamment l'insécurité. Et parmi les problèmes qui facilitent cette insécurité, c'est les manques d'éclairage public. En véritable homme aux actions concrètes, Régis Kassouama a apporté une solution rapide en leur offrant des lampes pour l'éclairage public. Appelé 17e édition du petit déjeuner national de prière placé sous les thèmes « Le leadership selon le modèle de Jésus-Christ de Nazareth, la vérité et la réconciliation ». Azarias Roubero a appelé à la réconciliation entre leaders politiques pour prévenir la division à l'approche des élections. L'hôtel Béatrice a servi de cadre à cette rencontre. Regardez. La salle de conférence de l'hôtel Béatrice a servi de cadre à ce petit déjeuner national de prière coordonné par Azarias Roubirois, l'ancien vice-président de la République. Les leaders politiques de toutes tendances ont au cours de cette rencontre prié pour les leaders nationaux ainsi que la guérison de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. Et nous la parole. Azarias Roubirois de lancer un appel à la vérité et à la réconciliation à l'image de Jésus-Christ. Il est lui-même la vérité. Le connaître affranchi, libère réellement et rend prospère. Puisse notre société, notre nation, notre monde et nos leaders vivre une vie vraie, sans hypocrisie, transparente, sous la lumière de la vérité révélée, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est à ce prix-là que le leadership sortira notre pays de ses ruines et de ses déceptions. La vérité précède la réconciliation, l'autre volet du leadership de Jésus-Christ. Sinon, elle devient dure et difficile à assumer. Et cela, la deuxième dimension dans le leadership de Jésus-Christ, à savoir
la réconciliation qui passe par la justification. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, notamment quelques candidats présidents de la République au scrutin de décembre 2023. J'ai entendu le message de notre ancien vice-président de la République qui est le président de cette organisation. Tous les candidats présidents de la République, j'ose penser, travaillent pour que demain, l'un de nous puisse rassembler les Congolais autour d'un projet de paix, de reconstruction de notre pays. Rappelons que ce petit déjeuner national de prière est né aux États-Unis d'Amérique après la Deuxième Guerre mondiale et en République démocratique du Congo, Azarias Rubero et quelques personnes ont initié cette rencontre en 2005, en cette période où les pays étaient en pleine transition sous la formule 1 plus 4. Et vous le savez peut-être, le homme de l'université de Kinshasa seront de nouveau disponibles pour les étudiants de cette institution publique. Mais chaque étudiant qui souhaite louer une chambre doit débourser 240 dollars américains par an, un prix revu à la hausse après la rénovation. Cette tarification divise les étudiants de cette université, comme nous dit ces reportages. Suivez. Je disais, le homme de l'université de Kinshasa seront de nouveau disponibles pour les étudiants de cette institution publique, mais chaque étudiant qui souhaite louer une chambre doit débourser 240 dollars américains par an, un prix revu à la hausse après la rénovation. Cette tarification divise les étudiants de cette université, comme nous dit ce reportage. Passons à autre chose. Les léopards de la République démocratique du Congo entrent en lice ce mercredi 15 novembre 2023 face au Mirabitoumé de la Mauritanie. Un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, est au micro de votre rédaction. Suivez. Quel que soit l'adversaire de demain, nous on est concentrés sur ce qu'on a à faire à domicile. Si on veut atteindre notre objectif, ça passe par des bons résultats à domicile, quelle que soit l'équipe. Donc en fait, la revanche, je ne sais pas si on peut parler de revanche, ça reste du foot avec un stade, j'espère qu'il va nous soutenir comme à son habitude, nos joueurs qui sont très motivés pour faire un résultat, puis continuer tranquillement notre marche en avant, indépendamment de l'équipe qu'on reçoit. Que tous les joueurs aujourd'hui sont capables de jouer titulaire. On aura 25 joueurs à disposition. Pour l'instant, on a un joueur qui a un problème administratif de visa, qui est Moukoko Amalé, qui ne peut pas nous rejoindre parce qu'il y a un problème administratif avec son club. Mais les 25 joueurs sont là. Donc après, bon, ça sera à nous de trouver les bonnes orientations, en sachant que, comme je l'ai dit, le collectif est important. Tout le monde est nécessaire dans le projet, mais personne n'est indispensable. Donc, on a des blessés. D'autres, ça donnera l'opportunité à d'autres de montrer qu'ils sont capables de jouer pour la RDC. Donc, ça sera très bien. On l'avait déjà un petit peu anticipé, puisqu'on avait fait pas mal tourner sur le match amical d'Afrique du Sud, sur le match amical de l'Angola également. Donc, ce sont des choses qu'on prépare, qu'on essaye d'anticiper. Après, ceux qui seront les 11 titulaires demain, à eux de porter haut. Et puis, comme vous le savez, le plus important, ce n'est pas les 11, c'est également l'ensemble du groupe. Parce qu'on a vu que sur les derniers matchs, c'est souvent les changements et les remplacements qui font la différence. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain à la même heure. Au revoir.